En raison de la diffusion d'un nouveau numéro de l'événement, présenté par Caroline Roux, France 2 déprogramme ce jeudi soir l'épisode inédit de Ainsi Grand Soleil. Découvrez comment le rattraper. Une fois n'est pas coutume, France 2 déprogramme encore une fois Ainsi Grand Soleil ce jeudi 9 novembre. La chaîne bouleverse en effet ses programmes pour proposer une grande soirée d'information. À partir de 20h40, soit après le journal du 20h, France 2 va en effet proposer en direct à ses téléspectateurs son émission consacrée à l'actualité politique. L'événement, qui aura cette semaine pour thème immigration, comment la maîtriser? La journaliste Caroline Roux recevra pour l'occasion Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur ainsi que de nombreux invités politiques pour un grand débat en prime. Ce premier numéro sera consacré au projet de loi immigration. Par conséquent, l'épisode inédit de Ainsi Grand Soleil prévu ce jeudi 9 novembre à partir de 20h50 sur France 2 est déprogrammé, et sera diffusé le vendredi 10 novembre. Il faudra donc attendre encore une journée pour découvrir les avancées de l'enquête sur la disparition d'Aubert. Cécile est en effet sur la piste du fleuriste et trouve que le comportement de Christophe, qui lui pose énormément de questions sur l'affaire, est de plus en plus suspect. Une image de vidéosurveillance où l'on peut voir le tueur en série de dos va d'ailleurs semer le trouble dans l'esprit de la juge Alphand. Va-t-elle découvrir la vérité sur son mari? De son côté, Élise vit difficilement sa séparation avec Fanny, qui désire un enfant. Elle est soutenue par Bilal et tous ses amis dans cette dure épreuve. De son côté, Ludo reste mystérieux concernant sa copine qu'il ne veut pas présenter pour le moment. Quant à Janet, elle tente d'oublier Silvio en proposant à Becker un petit week-end impromptu à Rome. Rendez-vous donc vendredi 10 novembre sur France 2 pour retrouver un épisode inédit d'Ainsi Grand Soleil. Pour les plus impatients, l'épisode est d'ores et déjà disponible sur la plateforme France TV.